osent résister, disent-ils. Nous osons, parce qu'ils ont chez eux l'âme des trahisons. Ils pensent nous trouver abattus. Bêtes brutes. Mais ce coup décisif et fatal que vous crûtes, nous portez, s'est tourné contre vous, justement. Décapité d'un roi, le bon peuple allemand peut se croire perdu. Crier miséricorde, étendre coup de scie lui soumis à la corde. Ils ne comprennent pas que la rébellion souffle en chaque poitrine une âme de lion. Ils ne peuvent fourrer dans leur cervelle obtuse qu'on puisse mettre en jeu ces grands moyens dont use un peuple qui défend ses droits et son foyer. Ils s'étonnent de voir notre main déployée, l'étendard rayonnant des libertés publiques. Ce sont de braves gens froids et mélancoliques qu'un regard du roi change en fureuse toutou. Ah, nous vous renverrons dans votre chenil, tous. Les Badois, les croupiers, les gens de la Bavière, les Prussiens attendant les Chines et les Trivières. Et si cela vous plaît, vous ferez un grand duc de ce Napoléon sanguinaire et caduc, tout prêt à déposer sa risible épaulette pour tenir le râteau teuton de la roulette.